Bonjour à tous. Donc voilà, donc on se retrouve parce que je viens de terminer donc un DP. Donc c'est un des tableaux de mon triptyque. Donc celui-là c'est le quatrième. Il me reste le plus grand à faire. Donc en fait je faisais juste cette petite vidéo pour vous montrer comment je m'organisais une fois que j'avais fini un DP. Et par la même occasion vous montrer une appli que j'ai découverte. Donc en fait la vidéo sera pas comme d'habitude parce que là je filme avec mon téléphone. Et parce que le logiciel que je, enfin l'application que je vais vous montrer sur ma tablette. Donc je vais ôter mon DP et je reviens. Donc j'ai pris ma tablette. Bon, ça fait ça quand on la voit comme ça. Donc là j'ai un petit meuble où dedans j'ai toutes mes réserves de diamants, classé par numéro. Donc en fait ce que j'avais fait quand j'ai commencé c'est que j'avais acheté des diamants sur AliExpress. Ça coûtait rien du tout, il y avait un sachet et c'était des ronds ou des carrés, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bon, moi j'ai pris des ronds parce que j'avais commencé par des ronds, mais maintenant dès que je termine un DP, hop, je remets dans le même, en fait, je mélange les ronds et les carrés, c'est pas grave. Je veux dire, après, on reverse dans sa coupelle et puis on prend que ce qu'on veut, c'est pas un souci. Donc, ça, voilà, j'ai pratiquement tous les tiroirs, dans les deux tiroirs là qui sont remplis. Et puis là, j'en ai un peu et où j'ai quelques sachets qui se trimballent. Donc, ça, c'est ma réserve. Et là, donc, j'ai ma boîte lorsque je fais un DP. Donc, c'est celle qu'on trouve pareil sur AliExpress avec des petits. Donc, en fait, ce que je fais une fois que j'ai fini, c'est que je prends tout ce qui me reste. Donc, là, par contre, je trouve des fois qu'il en reste beaucoup. C'est le 152. Je vais regarder. 152. Alors, le 152 en plus. Non, c'est bon. Je regarde, hop, le 152. Oh, excusez, j'arrive pas à le prendre. Voilà. Donc comme on voit des fois, c'est pas les mêmes couleurs. Alors qu'ils ont le même numéro. Donc je pense que le 152 en dessous l'euro, c'est celui que j'avais acheté. Et puis là, on voit, hop. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je remets dedans. Tout simplement. Et puis il me reste toujours, donc je ferai ça après. Je vais pas vous faire ça en vidéo, vous avez compris. Hein. Je prends, je vide, je mets dans mes petits casiers, et puis voilà. Par contre, il nous reste aussi des petits sachets. On a du noir, ça va faire du bruit, pardon. Il me reste trois. Donc, du coup, je vais vous présenter l'application que j'ai trouvée qui est très bien. J'allume ma tablette et je. L'application est là. Donc là, on arrive sur les projets, le menu. Donc vous avez ici donc tous les projets qui sont commencés, qui sont et pas terminés. Là, tous les reçus et pas terminés, et pas, même pas commencés, c'est marqué. Tout cela, c'est ce que j'ai fait et que j'ai gardé. Et après, vous avez tous ceux qui ont été faits et qui ont été offerts. Donc, en fait, ce qui est bien, donc, je vais vous montrer comme là pour mon triptyque. Donc, voilà, donc on peut mettre une image. On met la taille et il vous estime à peu près le nombre de drills qu'il peut avoir, le nombre de diamants. Donc où je l'ai acheté, si c'est des ronds ou des carrés, si c'est un complet ou un partiel, le nombre de couleurs totales. Donc là, il est en statut commencé. Donc là, je n'avais pas mis, mais on peut mettre la date à laquelle on l'a commencé, non, la date à laquelle on l'a commandé, la date à laquelle on l'a reçu et la date à laquelle on l'a commandé. Commencer, oh, décidément, excusez-moi. Donc là, moi j'ai mis comme il y a plusieurs tableaux. Le premier, je l'ai commencé, je l'ai terminé, etc. Donc là, il va falloir que je mette
s'il veut bien. Bon, je ferai après, je mettrai terminé, je mettrai la date. Voilà. Donc, on peut mettre un nouveau titre, plus d'images, mais j'y arrive pas, ça par contre, et la liste des couleurs. Quand on va dans liste des couleurs, donc je vais rentrer toutes les couleurs que j'avais donc sur, sur le l'inventaire en dessous, vous savez. L'inventaire comme ça. Voilà. Donc j'ai rentré toutes mes couleurs. Et on a ici, vous voyez, c'est mis là, sac complet, sac partiel, les petits sachets qui nous restent. Donc en fait là, le 310, je vais me mettre dessus. Et il m'en reste, hop, il m'en reste 3. Le 152. Là, vu ce qu'il me reste, je dirais qu'il m'en reste 1. Partiel, j'ai mis 1. Et après, on fait edit. Voilà, donc là, on a toutes les... là, voilà, donc là, vous voyez, tout. Et donc là, j'ai rentré. Donc, vous pouvez mettre, il y a une wishlist. Et là, vous avez couleur. Vous allez dans couleur. Et vous avez toute une liste de couleurs. Donc, vous avez, alors, que je vous montre, oui. Là, c'est les couleurs. Pardon. Aurora, je ne sais pas trop, je ne connais pas celle-là. C'est vrai que nous, on est plus... plus l'habitude de ça, des DMC, des couleurs DMC. Donc là, vous avez toutes les couleurs DMC. Quand vous allez, hop, vous voyez là, il y avait du vert. 152. Et bien, il m'en reste partiellement 153. Il me reste deux sachets. C'était sur un ancien, sur sur un ancien DP. Et vous rentrez tout comme ça. Donc moi, je ne l'ai pas fait dès le début, malheureusement. Donc là, 310, vous voyez. Il m'en reste 13. Et comme ça, vous pouvez voir où sont vos stacks et vos stocks. Donc après, moi, je peux pas. Donc là, vous voyez, quand vous appuyez dessus, on va aller sur le 152 que j'ai rempli. J'appuie dessus. Hop, il nous dit, voilà, vous avez un sachet dans le triptyque. Donc, et j'ai trouvé que c'était super génial pour savoir où on en est, ce qu'on fait, etc. Par exemple, mes porte-clés Noël, c'est pas bien, je ne l'ai pas noté. Vous voyez là, on peut mettre les prix aussi. Drill spéciaux, full. Et là, j'ai pas mis. Là, j'ai mis que c'était en cours, alors que voilà, quand on appuie sur Edit. Donc la date où je l'ai commandé, la date où je l'ai reçu, la date où je l'ai commencé, la date où je suis censée l'avoir fini. Je l'ai fini il y a... Oula, il y a une bonne semaine déjà. Donc il faudrait que je change ma date. Voilà. Donc ça devait être en octobre. Ça devait être vers le 25 octobre quand j'ai tout terminé. Et là, donc c'est pareil, là il était en démarré. Donc voilà, donc là il faut que je change. Qu'il a un peu de mal. Ah voilà. Donc là en bas, donc il faut que je le mette et je vais en offrir. Et voilà, donc après vous pouvez mettre des notes si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, etc. Donc j'ai trouvé que, alors, faut pas oublier de faire sauvegarder, hein, parce qu'autrement c'est pas mal, c'est pas... Donc j'ai trouvé, donc c'est une application qui est sur Android et sur, comment,
tablette iPhone, enfin tablette iPhone Apple plutôt. Et comme ça, on a tout ce qu'on a fait, tout ce qui nous reste à faire. Ça nous permet de voir ce qu'on a en stock. Hein? Donc là, moi, j'en ai une, deux, trois, quatre encore à faire. J'ai même pas mis celui que mon mari m'a offert. D'ailleurs, c'est le prochain que je vais commencer, je pense. Et puis voilà. Donc, je vous remettrai en lien ou en commentaire comment s'appelle l'application. Comme ça, vous aurez vraiment le nom. Elle est payante, mais je crois que c'est 1,99 €. Bon, c'est pas non plus excessif. Et je trouvais que c'était super génial. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à plus tard.